Allez, bonjour à tous et à tous, ici Stélandron pour le 43ème épisode de mon let's play sur le jeu Mount & Blade Warband, ouais, pas Wizard Sword, Warband tout court. 43ème épisode, donc je vous avais dit la dernière fois, et ben on s'était fait une des gros ennemis, et donc du coup bah on avait bien tatané à mort. Et là il fallait qu'on se refasse un petit peu une santé encore une fois. Mais il y a plein de bandits partout, y compris des bandits, des gros groupes de bandits. Voilà, 63 contre 92. Bon, c'est des bandits, donc c'est pas non plus le truc le plus gros, les plus difficiles, mais quand même. Parce que là, 63 contre 70, enfin contre 93, je commence déjà un peu à avoir peur. Là, genre par exemple, il y a moyen que je prenne des dégâts. Et ça, c'est à cause de ces tirailleurs à la noix là. C'est pas les flèches qui me font des dégâts, c'est vraiment les tirailleurs. Voilà, 8 points de dégâts. C'est pour ça qu'on va leur demander de charger avec Gus. Là, je suis déjà presque mort. S'il n'y a pas quelque chose pour faire diversion, ça va pas aller. Quoi? J'ai vraiment plus de vie, quoi. C'est peut-être une connerie ce que j'ai fait. Non, mais pousse-toi, toi! Quel abruti! Apprends à conduire! Passe ton permis cheval. L'autre cheval aussi, je voudrais bien que tu dégages. Ah. Non, de nouveaux ennemis sont arrivés. Bon, l'avantage, c'est qu'on est vraiment très très fort. Donc on n'a pas trop de problèmes avec les bandits des montagnes. Ah la vache. Ah, j'ai eu un mort. Voilà, encore des nouveaux ennemis. Ah oui. Ils se font un peu laminer les bandits des montagnes. Bon, par contre, là, c'est pas comme si j'étais au milieu de la mêlée avec beaucoup de vie. Mais presque. Alors. Mais poussez-vous. Attendez, on en a fait 63, on n'a pas tout fait, là. Un tué, deux blessés. 59 contre 25. Bon, bah, oh non, chargé, allez hop, chargé. Oula, non, c'est bon. Chargé, chargé. On va pouvoir y aller. Non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est tout droit. C'est tout droit. Alors. Est-ce que c'est pourri comme endroit? Parce que du coup voilà, on ralentit vachement. Ah, au fait, en ce moment c'est la... Enfin, c'est la... dernièrement pour moi, il y a la Gamescom 2015 qui vient de se finir. Et il y a eu des vidéos de Mount & Blade 2 Bannerlord qui sont sorties. Mais ça m'a l'air génial, franchement. Ça a l'air juste super cool avec des armes de siège beaucoup plus réalistes, tout ça. Des sièges mais hyper réaliste. Non, ça va être génial. Je le sens vraiment très très bien.
Bon là par contre je lui ai coupé les jambes, ça l'a tué. Allez, il en reste deux là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, je vais pas me replier, ça serait con. Un blessé. Oh, des prisonniers sauvés. Des chasseurs de primes, c'est cool. Je crois que j'ai plus de place, j'ai plus de place. 391 deniers, bah dis donc. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des promotions à faire déjà. Ça coûte cher. Tac. Tac. Et toi, voilà. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans le coin, ce qui est très embêtant. Parce que genre j'ai au moins 70, il y en a encore un 40 là qui se balade, ça c'est à cause des guerres en permanence. On se retrouve avec ce genre de truc. Il y en a beaucoup. Donc on est à 80, on peut monter jusqu'à 93, on peut monter à 93, il faut qu'on monte à 93. Je vais aller du côté de Yalen. Toc. Ah non, attendez, on va aller du côté de Yalen d'abord. Voir si je peux pas déjà vendre les prisonniers. Rançonneur. Allez, Catherine! Coucou! Voilà, au moins on a 6. Ah, c'est le truc que j'ai oublié de faire avant de tourner cet épisode. C'était regarder où j'en étais au niveau des objectifs. Bon, bah, je le ferai au prochain épisode, hein, de toute façon. Je pense que vous aimez bien ça. Non, mais je vais améliorer, je peux pas le faire tout de suite. D'accord. Non, je le ferai plus tard. Non, pas le cheval de steppe. Ça que je veux faire. Je veux des fric, je veux beaucoup de fric. Parce que là, ça commence à me coûter cher, cette armée. Ah oui. J'ai pas de pain à acheter là. Un truc qui se périme pas trop. Oh, du fromage, c'est pas mal le fromage. Ça coûte pas trop cher. S'il y avait du pain, je suis bête. C'est très bien le pain. Il est rassis depuis longtemps, mais c'est très bien quand même. Allez, on a 85. Wow. Peut-être sa mèche a été pillée. Allez, c'est bon, les pillages. Si on regarde le rapport budgétaire. Ah, Pagondor, il donne quelque chose. Mais j'ai Emirim aussi. Ils sont tellement ridicules, mes trucs. Quoi. Tellement mal placés, tellement. Oh, c'est n'importe quoi. Ça me fait penser, ça me fait penser, ça me fait penser. Il faudrait. Si on avait pillé Tipstein. Allez, on va aller piller Tipstein. J'ai que ça à faire. En plus, on récupérera 2-3 petits Gugus au passage, genre à Stagnard. 7400 deniers en argent si vous êtes disponible à lui rendre boyard de rue. Eh bah oui! Eh bah oui! Comte Larugen est devenu le nouveau maréchal. Attendez, on va aller à Estinard. 3. Autant que je voulais, mais c'est pas grave. Allez, direction Tipstein. Je voudrais piller un village histoire de me faire un peu de pognon. Avec des trucs à vendre. On se méfie quand même si on voit quelque chose arriver. Les groupes d'ennemis repérés près de Pagondour. Ah ah! Ça se tatane. Pagondour, comment tu te sens? 47 jours. 47 jours. Ah, attendez. Ils sont combien là? Ils sont 25 plus 8? Casse-toi.
Casse-toi. Je ne veux pas que tu viennes chez moi. Voilà. Tu te barres. Tu te barres loin. Je vais te poursuivre même. Allez, maintenant que c'est bon, direction Tipsta. C'est combien 59? Ah ah, avec mes 92, je fais peur. Allez. Piller le village et raser le. Allez, en espérant que ça passe cette fois-ci. Et je me retrouve pas nez à nez avec une horde gigantesque. Allez, allez, allez. 50 denis? Oh mais des... Oh oh hey, mec quoi. Vous croyez qu'il y a des céréales? C'est un endroit à céréales ici. Quoi, vous voulez du céréales? Bon bah vous allez avoir des céréales. Hein. Oh la vache. C'est tout ce qu'il y avait en fait. Et des têtes de bétail. Inventory. J'ai plus beaucoup de place, j'allais dire que je pouvais piller le village juste au-dessus, mais non. On va passer à Veluca, je vais vendre tout ce tintouin parce que j'ai vraiment plus de place. Ce n'est pas un problème pour moi de devoir attaquer des villageois innocents. D'accord. C'est une vraie tarée la nana avec qui je me balade quand même. Une vraie tarée. Marnie, il a atteint niveau 4. Pagondour est en train d'être pillé, j'arrive. Pagondour. 600 deniers, j'ai perdu. Casse-toi. On ne pille pas Pagondour pendant que je suis pas là. Il va y retourner. Non mais il cherche hein. Il cherche vraiment le mec. Plus c'est toujours le même. C'est quoi? On peut pas camper en fait. On peut pas camper dedans. Pour l'instant j'ai pas encore le domaine. On va attendre ici un certain temps, voilà. Cherche pas, tu pourras pas venir. Il y a même un 218 qui se balade. Vaiguer et Royaume des Rodoc ont fait la paix. Sérieusement? Bon, on a quand même récupéré Dirim quoi. Je l'ai pas vu, mais on a quand même récupéré Dirim. C'est bon, ils se sont cassés? Forcément. Bon, alors, ça veut dire qu'on est plus en guerre. Nous ne sommes plus en guerre, malheureusement. Ou heureusement, je sais pas. Parce que ça veut dire que peut-être que je vais recevoir des trucs de mes villes. Peut-être que je vais recevoir de l'argent. De mes différentes... de mes différents fiefs. Ce serait un miracle. On a du coup dans cette guerre légèrement perdu en fait. On a légèrement perdu. On a perdu un château ici. Bon, faudra vite le reprendre. Ça va être pas très compliqué. Et on a perdu le château de Dercios et le château de Nudar, je crois. Je crois qu'on a perdu ça. Alors attendez, parce que j'ai quelques petites améliorations à faire. Compétences de groupe. T'es super intelligent, toi. C'est qui est en tactique? C'est lui. On peut te faire fin tacticien, comme ça au moins tu seras tranquille. Enfin, au moins, on sera tranquille, c'est une compétence de groupe. Ouais, c'est une compétence de groupe. Si on le fait fin tacticien, c'est cool. Alors, un sergent Rodoc, tata, des meneurs d'esclaves, des... Oh la vache, le coup hebdomadaire, j'espère que j'aurai des fiefs qui donneront des trucs, parce que là, c'est monstrueux ce que ça me coûte. Sans compter la nourriture. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est éliminer quelques bandits. Ça pourrait être pas mal.
Dirim à contrôlant. Ah ouais, le mec il s'embête pas. Dirim c'est quand même pas. Coucou, comment ça va? Toc, en plus on améliore les relations. On améliore les relations. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à partir de maintenant? Parce que là, la question c'est qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer en guerre. Relation de la faction. C'est tout est neutre, sauf bienveillante avec Royaume des Rodoks. Non, c'est dans notre les factions. Royaume des Rodoks. Ouais. Royaume des Nord et Royaume de Veïr. N'a pas de problème. Alors, il y a quelqu'un qui me contacte sur Steam en même temps que vous. Enfin, en même temps que je tourne, c'est pas malin. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, pour le coup, je sais pas trop. On peut-être va se balader dans les montagnes. On est combien? 93? Je pourrais en récupérer deux de plus. Peut-être le moment de faire des tournois, des trucs comme ça. Des terres hebdomadaires, ça monte pas beaucoup. En même temps, ils ont été pillés. Ils ont été pillés. Ça me fait penser. Tatsamèche, pillé. Et Ebirim, pas pillé. D'accord. Cinquante-six. Où tu vas venir là? On va s'entraîner. On va s'entraîner un peu. Ah non, chargé. Allez, chargé, hop. On y va. 36 contre 27 grâce à mon personnel super tacticien, la Martide là. Matride, je sais plus. Mais grâce en fait à tactique, on peut arriver beaucoup plus sur le champ de bataille par rapport à eux. Plus on a de tactique, plus on peut arriver nombreux. En l'occurrence, c'est quelque chose que j'ai pas mal négligé jusque-là. Et il faut que je corrige. Ouf. Qu'est-ce que ça doit faire mal? Ce que je trouve le plus impressionnant en fait dans le prochain Mantle Blade, c'est le moteur. Le moteur qui est juste hallucinant de. Qui a l'air d'être super bon au niveau des performances, au niveau de la qualité graphique, au niveau de la qualité de jeu, ça a l'air d'être juste génial. Bon alors, c'est juste que. Je suis un peu bloqué. Ce qu'on va faire. Voilà. Faire ça comme ça. Là-bas. Toc. C'est ce qui s'appelle éliminer rapidement un adversaire. Alors, par contre, fais gaffe avec ta lance, toi aussi. Heureusement qu'il n'y a pas le friendly fire, parce que là, pour le coup. On serait mort depuis longtemps. Ouch. La cervelle a dû gicler. Ah, et c'est bon. C'est bon. Un tué, trois blessés. Bon. Capturer les bandits des montagnes. Ça me fait des gugus en plus. Ça me fait aussi un coup hebdomadaire qui est proprement énorme, quoi. Alors, attendez, on va monter d'ailleurs à Catherine avec les héros. Oh la vache, tellement d'unités. Oh,
va récupérer du matos. Et ça fait 20 minutes. Ça fait même. Non. C'était le contrôle qu'il me fallait. Ok. Ok, Cléty atteint le niveau 5. Cléty, t'es quoi t'es... Ah oui, t'es la nana complètement tarée là. Ursus, elle a une tête de tarée. Alors, quoi on peut te mettre? Équitation, ouais, pourquoi pas équitation. Ok. Je t'ai fait monter. Ah, j'ai oublié les points d'attribut. Agilité, ok, c'est bon. C'est très bien, c'est très bien. Bon, dans le prochain épisode, je vais pas oublier de regarder où j'en suis des défis. Hein. Et puis on regardera qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse du coup en fonction. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde !